c'est beau. Écoute, le temps m'emporte. Tic-tac, 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 tic-tac. On en cueille une ? Allez. Allez, viens, on y va. Mon lurier est en retard. Le camion va arriver, l'état des lieux n'est pas fait. Ça sert à rien de t'énerver, monsieur le professeur de yoga. Tout ce fracas déployé ne semble rien faire. Ni les tempêtes, ni les séismes. Du feu de son iris. Colère de notre terre. De notre mère. Et ça continue. Gaz à effet de serre. Et tout se pollue. Mer, rivière. Les chercheurs savent la planète souillée. Au nom du profit immédiat, on fait traîner. On débat de ce qu'il faudrait faire, de tout, de son contraire. Le monde se meurt de mille et une manières. Les otaries se marrent sur la banquise. Notre salut est suspendu dans l'air. Notre salut est l'unicité collective. Tourne, un vrai soleil. Alors elles volent bien, ces bulles. Elles te plaisent, hein? Fais-en encore. Là-haut. Ah. Wow. Souffle, souffle. Elles sont jolies. Et moi, je peux en faire? Oh, il y en a plus. Ouais. Vous auriez pu vous éviter cette peine en prenant le train, non? Oh non, je n'aurais raté ça pour rien au monde. J'aime bien la route. Et puis, c'est bien connu, les voyages forment la vieillesse. Tu viens, Gabriel? Viens, viens. Je sais pas si je vais t'embrasser. Encore. Encore, encore, encore. Je le mets où, ce truc? La lampe, tu la montes et le poste, bah, donne-le-moi.
Merci, Gaspard. Bon, allez, c'est parti. Je t'aime. Je suis heureux, Samuel. Je l'ai mis dans la douche, hein. C'est plus sûr. Est-ce que tu sais ce que c'est ça, Gabriel? Du romarin, du rosmarinus même en latin. C'est du rosmarinus. Frotte et sens, comme ça sent bon. Sens mes mains. Tu sais c'est quoi ça? Ça, c'est de la lavande. De la lavande, mamie. Fais-moi sentir la lavande. La lavande. C'est différent. Ouais. Bulles. Tu veux faire des bulles encore? Oh. Ah, c'est beau. Et hommes, porteurs de paix, qui avançaient le regard fier, bravant les chars d'un chant unique que rien ne tait. Vivante lumière, humilité dans nos vies éphémères, nous qui sommes vierges de toute guerre, un temps pour réparer nous est offert. Psalmodie sincère aux âmes sœurs, aux enfants qui naissent, pour que fleurisse le parfum délicieux du nouveau monde à venir pour eux. Ça va, t'es bien? Il fait un temps magnifique. Ouais. Attention. Merci. Le thé de mamie. Tu te souviens de l'histoire que tu m'as racontée tout à l'heure? Non. C'était drôle. Ah bon? Alors? Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment elle s'appelle déjà? Alice. Alice? Et qu'est-ce qui lui arrive à Alice? Elle travaille dans un café. C'est très dur. Et qu'est-ce qui lui arrive dans ce café? Un ours qui arrive. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ours? Je me rappelle plus. Tu t'en souviens plus? Il rentre dans le café et qu'est-ce qui se passe? Boum! Sur le nez. Il a tapé le ours. Oh, et Alice, elle est pas contente. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle pleure, elle est craquée. Elle s'en va. Chez elle, il y a trop de bruit. Il y avait trop de bruit, ouais, c'est ça. Et elle va où? Après, de l'autre côté de la terre. Elle a vu une maison. Oui. Et elle va habiter dans cette maison? Oui. Et qu'est-ce qu'elle va faire dans cette maison? Elle va faire la cuisine pour les autres. Manger, jardiner. Il y a beaucoup à faire. Tout est à faire. C'est Alice qui le dit.